panier. Mais c'est vrai que on marque des essais plutôt facilement en première mi-temps, qui nous mettent quand même bien dans le match, mais on sent qu'on ne maîtrise pas forcément notre jeu. Et je pensais que cet essai à la fin de la première mi-temps allait vraiment nous basculer sur du positif en seconde mi-temps, mais ça n'a pas été le cas. Et puis on s'est fait peur, quoi. On s'est fait peur. On sent qu'on maîtrise rien, quoi, sur la seconde mi-temps. Donc voilà, il faut en tirer des leçons et se remettre au travail. Comment vous l'expliquez, ce double visage, justement? Ben, on a du mal à l'expliquer parce qu'on s'était mis en garde à la mi-temps. On savait que nos secondes mi-temps à Bayonne et Biarritz n'ont pas non plus été très bonnes. Et là, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Il faut qu'on en rediscute et qu'on règle ce problème. L'attitude est peut-être pas le bon mot, mais défensivement ce soir, il n'y a pas grand monde qui se fait mal, quoi. Est-ce que c'est ça qui ressort? Oui, bien sûr. On a subi tous les impacts. Ils ont clairement proposé plus de jeux que nous. Je pense qu'ils méritaient peut-être de gagner. Maintenant, on a quand même scoré en première mi-temps, ce qui nous a permis quand même d'avoir cette avance au score et qui nous a permis de gagner le match à la fin. Mais bon, voilà, il faut se servir de ce match pour continuer à travailler, pour trouver ce qui nous manque encore aujourd'hui pour maîtriser un match sur 80 minutes. Je pense qu'il faut faire quoi? Il faut taper du poing sur la table, faut que les joueurs émergent, ou parce que si tu regardes Vannes, vous gagnez, vous pouvez le perdre aussi. Défaite aux Pays-Bas, c'est pareil ce soir. J'ai l'impression que la saison n'est pas lancée. Ouais, la saison elle est pas, on n'a pas encore de match référence, ça c'est sûr. Donc il va falloir le trouver sur les deux prochains matchs. On a les deux favoris qui arrivent. Donc il va falloir se retrousser les manches, se remettre au travail. Et puis voilà, il n'y a que par là qu'on va réussir à trouver des repères collectifs. Et être plus serein défensivement, parce que c'est vrai que défensivement ce soir, ça n'a pas été bon. Qu'est-ce qui se passe défensivement? C'est dans la circulation, c'est dans l'attitude? À chaud, c'est pas évident de répondre. C'est vrai que je suis derrière, je vois des fois on n'est pas réactif, on regarde pas en face, on est en surnombre défensif d'un côté alors qu'il n'y a pas d'attaquant en face. Donc on se retrouve à poil sur l'aile de l'autre côté. C'est de la lucidité, c'est de l'intelligence situationnelle. Il faut regarder, il faut se parler, il faut être réactif, c'est tout ça. C'est tout ça qui nous manque aujourd'hui. Alors on travaille, mais il va falloir travailler encore plus pour avoir des repères sur ce secteur-là. Personnellement, toujours difficile de se satisfaire dans un contexte où le collectif va pas bien, mais les premiers ballons touchés, il y a un essai derrière sur une relance de ta part. Enfin, t'aurais pu rêver pire comme première, quoi. Ouais, le premier ballon, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant. Mon objectif à moi, c'était de me fondre dans ce groupe. Ils m'ont très bien accueilli, ça s'est très bien passé. Et voilà, un arrière, il faut qu'il soit propre sur les bases du jeu, de son jeu. Donc voilà, le premier ballon, c'est sûr, c'était un joli essai, je pense, de Sabri. Maintenant, je pense moi ce soir au collectif et il faut qu'on trouve des solutions, qu'on réfléchisse à tout ça tranquillement et qu'on se remette au travail dès dimanche matin. Okay. Merci beaucoup.